Et puis cette page noire, c'est loin de sa terre natale que Louis-Alphonse Coagel a attiré sa révérence. Le gouverneur de la province de l'Équateur a succombé des suites d'une longue maladie qui l'a contraint à plusieurs reprises à se rendre à l'étranger pour des soins. L'histoire gardera de lui le souvenir d'un grand homme d'État qui n'avait nullement trempé dans un quelconque massacre d'étudiants à l'université de Lubumbashi. Il avait toujours eu à clamer son licence. Il s'en va sans qu'on ne lui ait brandi une preuve du contraire. Et là, comme vous le suivez sur ces images, c'était lors de son passage dans les locaux de B1 Télévision, mais également B1 FM. Paix donc à son âme.